Et salut à tous, c'est Tips et Ron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Oula, j'ai fait un truc à la Snoop Dogg là. Bref, ce soir, on reprend Amnesia, ça faisait un petit peu de temps, on retourne dans ce vieux château de mort. Et j'espère que ce soir, on pourra terminer le jeu, parce que j'ai regardé sur internet, on est vraiment à la fin du jeu, on est à quelques chapitres, on est vraiment dans les derniers chapitres en fait. Et du coup, j'espère que je pourrai terminer le jeu ce soir, on va voir ça. Alors du coup, oui, on était dans la prison, c'est ça? Et je vous avais demandé, si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, si vous aviez remarqué, enfin si vous aviez trouvé la clé justement qu'il fallait trouver et que je galérais à trouver à la fin de la vidéo. Alors du coup, moi j'ai trouvé en faisant le montage en fait de la vidéo. C'était parce que bon voilà, j'étais passé comme un bourrin, j'avais pas fait gaffe, mais là il y avait une note par terre, une note d'un prisonnier. Et du coup, je l'avais lu à la va-vite, parce que j'avais la flemme, hein, c'est typique de moi. Et en fait, dessus, il y avait écrit qu'un garde avait fait tomber la clé pas loin d'ici, à côté d'un tuyau. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé. Alors, on va essayer de trouver quel tuyau c'est. Du coup, ça m'apprendra à pas vouloir lire les trucs et à passer comme un bourrin. Alors, ils sont où ces tuyaux? Ah, là. Ah, elle est là, elle est là. Elle est là. Hop là, la petite barre de fer qui fait plaisir. Allez, on pète tout. Ah non, d'accord, je l'ai fait tomber. Ok, nickel. Une clef rouillée. Merde, je peux pas reprendre mon truc. Bon, NP. Oui, bon. Bon, pour moi. Permet la clé, on utilise la clé, hein. C'est quand même mieux. Ok. Wow. Oula. Oula. Ah, en fait, je dois courir. Ah oui. Ah oui. Non mais. Ah mais le temps que je tilte, hein. Le temps que je tilte pour courir. Vous savez que quand je tourne Amnesia et les tards, je suis un peu pété. Bon voilà, soyez pas trop dur avec moi. Ah et là y a plus là. Ok. Bon. Ah, je comprends pas, genre. Alors ça se passe une fois même pas deux, d'accord, tu m'aimes. Bon, autant pour moi. Il s'excite là. Hein. Là c'est la fête là, c'est. Oh. Let's go quoi. Du coup, j'espère que vous avez apprécié notre dernière vidéo qui était notre premier montage sur LoL. Je voulais vous en parler rapidement. Du coup, voilà, ça faisait. Oh merde! Ah, mauvais chemin. As-tu? Je vous ai mis. Merde, c'est quoi déjà? Hunger Games, c'est quoi déjà le film? Ah putain. Ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bon. On est à combien? 3 minutes de vidéo. Déjà 3 fois mort. Ok. Non, 2 fois mort, pardon. On part bien. Hein. Je pense qu'on part bien. En plus, c'est des enculés. Genre j'avais une chance sur deux. J'ai jamais eu de chance. Alors voilà. Bon, cette fois, on sait qu'il faut prendre à droite. Allez, c'est parti. Je vais finir ce jeu de mort. Tu vas voir comment je peux finir. Mais ça continue cette merde, on peut pas s'arrêter. Ah merde. Non. Non. Vous voyez pas ça. Allez merde, ça continue. Wow, stop. Oh non. Non. Oh non. Le truc que je redoute le plus dans ce jeu. Non, pitié. Je crois que vous en avez parlé au moins une fois dans chaque épisode. C'est la bestiole qui vit dans l'eau. Mon pire cauchemar, ce truc. Mais ça s'arrête un peu, ce truc. Genre... C'était dur. Allez, on go dans la nef. Et voilà, donc de retour après que le jeu crash et que mon logiciel de rec crash, hein.
Ça, c'est la bonne soirée, c'est la soirée qui commence bien, ça. Ça, c'est mon ordi qui a envie que je fasse la vidéo, tu vois. Genre, je suis déjà mort deux fois, le jeu crash, le logiciel crash. Nickel, parfait. Du coup, je me suis rendu compte de deux trucs, c'est que déjà, quand il y avait le choix entre les deux chemins, genre, c'est pas que j'ai pas eu de chance, c'est que dans tous les cas, t'es baisé, en fait. Genre, celui où tu vas, genre, c'était le mauvais, en fait. Ça s'écroulait devant toi, peu importe dans lequel t'allais. Et je me suis rendu compte aussi que le truc de l'eau, c'était juste des FDP et qui te faisait peur alors qu'il y avait rien, en fait. Il voulait juste faire croire qu'il y avait la sale bête, mais il y avait rien. Alors, du coup, où est-ce qu'on est? Oula. Alors, le mec, t'es. Le mec, il y a une lettre, faut la lire, il meurt quoi, genre. Wow. What? Genre, je me téléporte carrément. Oula. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock. J'ai jamais vu un mec aussi mal au point en lisant une lettre quoi, genre. Chaud. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Ah ouais. Ouais, carrément. Il y a de la coke sur la carte ou genre. Ah, des hallucinations mon gars ou. Our visit was unexpected. Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. Ah bah. He went to take care of the farmhands. I began to look for the children. That is impossible. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Ah bah non. Ah bah non, j'arrivais enfin. Ah bah non. C'est bon, t'as fini de pleurer parce que tu lisais une lettre. Te relever. Oh. Ah, je vous dis, la bestiole de l'eau, elle va revenir là. Là, je la sens là. Je sens venir. Il y a moyen de faire un truc avec ça ou pas? Il y a sûrement moyen de faire un truc. Ouais, enfin, je suis un peu handicapé, mais vous m'excusez. Hein? Ah, mais elle est au fond, faites la bête. Genre, peut-être qu'il faut que... Parce qu'il faut toujours que je ramasse ces excréments de merde, là. Les excréments de merde, ça, c'est très beau, ça. Putain, ça, c'est vénère. Oh, vaut mieux pas que je tombe là-dedans comme j'ai fait dans l'épisode avant. Ouh, on va remonter ça gentiment. On va vérifier qu'il n'y a pas la bête dedans, hein. On va remonter tout... Ah, ouais, mais... Ah, mais non. Ouais, mais non, ça, tu vois, c'est pas cool. Là, tu vois, pas du tout ça coule. Ah putain! Si je veux Genshi, faut que je le donne à bouffer. C'était la réflexion philosophique de la semaine par Tips Iron. Ah, il y a la musique qui se vénère, c'est ça. C'est ça qu'il fallait faire. Il se vénère quand il bouffe lui. Hein. Et... Reste. Ah. Alors, est-ce que sur les restes, il y avait ce que je voulais? Ah, du coup, j'ai sacrifié mon seau pour rien. Ah, l'os est recouvert de mucus. Nickel. Nickel. J'ai pas juste les. Ah, j'ai pas de guide. Ouais, alors là, c'est là. Le tamper. La sécrétion de Cairn qui vit dans l'eau. Alors, est-ce que c'est ça que je viens de ramasser, j'espère? Parce que ça, c'est l'ingrédient le plus dur à obtenir, je pense. Du coup, ce serait cool que ce soit ça. Non, y'a rien. Je vous connais maintenant. Oh merde! Oh putain, je suis tellement fragile. Y'avait rien. J'ai cru voir un truc bouger, y'avait rien. Je deviens une lopette en jouant ça. Incroyable. Allez, allez. On a un jeu à finir, on avance. Alors on va par là. Aïe.
Non mais tu te calmes. Tu me rends pour qui là? Tu commences par te calmer déjà. Ah, mais... ah c'est vivant quoi, c'est immonde, ça va me faire des dégâts aussi. Pas pris trop cher quand même. Ma tête est au bord de l'explosion. Ça va. C'est une situation habituelle, c'est correct. Waouh, et où? C'est bon, quoi. Je suis à 2 mètres du truc, il me tape, c'est incroyable. C'est OP. Comme on dit dans le milieu. Et putain, et là j'ai pris des dégâts, vas-y, mais. Ça m'énerve ces trucs, hein. Là, je vais mourir si je passe là, non? Non, même pas. Bah, d'accord, bah là je comprends plus rien, quoi. Genre, je frôle ça, je prends des dégâts, je marche là-dessus, ça en bat les couilles, quoi. Non. Faudra m'expliquer un jour. Là, je peux le déplacer, mais ça sert à rien. Ouh, cette porte elle me fait flipper, je sais pas pourquoi. Non. Putain, c'est sombre. Oh la vache. C'est tellement sombre. Vas-y, on va prendre une planche. Au cas où on lui fout sur la gueule. Mais c'est pas où. Alors on dirait bizarrement l'escalier. Et l'endroit où j'étais la dernière fois. Oh non, on va garder l'antenne, celui-là. Bonjour, je ne vois rien. La lanterne. Regardez notre petite planche. De manière à lui foutre sur la gueule s'il nous agresse. Il y a un truc par là. Ah, par contre, niveau 8, là, c'est chaud là. Elle doit partir. Vas-y, y a rien en plus. Ok, on avance, on avance. On laisse la planche, on est un fou, on laisse la planche. Ah, ça m'énerve ces trucs. On va mettre des dégâts pour rien là. Eh, mais c'est le même endroit qu'avant. Ouais, le laboratoire. C'est l'endroit où il y a Agrippa. Je suis revenu au même endroit. Du coup, c'est quoi ça? Ah, j'ai vraiment du mal avec les manivelles. Hein. Waouh! Ça a changé ma vie. Waouh! Vas-y, aïe. Les manivelles de partout, mais je sais pas quoi ça sert. Et là, on allume une flamme. Ça fait quoi? La chaleur s'évacue en dehors du compartiment. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Le chauffage. Ça ne répond pas le poison. Ah, on peut mettre l'os. Oui, non. Un récipient ici. Pourquoi je peux pas faire ça maintenant? Pourquoi je peux pas faire ça maintenant? Et comment ça? Genre. Comment on va? Alors d'un côté il me dit de mettre un récipient et de l'autre il me dit que je peux pas. Alors ça y a rien à faire avec. Hop. Laissez-moi réfléchir, donc c'est bien l'os qu'il faut mettre dedans. C'est l'os puisqu'on peut pas le reprendre. Mais pourquoi je ne peux pas faire ça maintenant? Éteindre ça. Mais je comprends pas. Genre. Bah, vous savez quoi, on revient plus tard. Hein. Je sais pas quoi faire là. Il est toujours là à griffer des là. Oui, en effet. Et là, il y a une autre pièce qui est accessible. Oui, pour une fois, t'as raison, écoute. On va y aller. Ah, c'est mon seul allié dans le jeu, et je... C'est le mec qui me fout le plus la frousse de tout ça. Ah, mais... Je te baisse. Ça m'énerve, ce truc. Ça m'énerve, ce truc. C'est incroyable. Ouvre un tuyau de drainage. Oh nice, c'est le sang qu'il fallait.
pas une corde, je sais pas. Ah, nice. Donc, je rappelle les trois ingrédients, c'est la glande, on l'a déjà, il y a le sang qu'on n'a toujours pas trouvé, et il y a le truc de la bête de l'eau. Du coup, là, je crois qu'on a à peu près les trois. Introduire la fioleuse. Ok, donc, genre, il me faudrait une corde pour mettre le... Parce qu'en fait, mon mec handicapé, il peut pas mettre le récipient dans le trou, non. Trop compliqué. Peut-être si on fait ça, genre... Ok, c'est qui le papa? C'est qui le papa? Ah, du coup... J'ai mon petit sang, je suis content. Voir le boire si jamais j'ai soif. Quoi ? Je veux pas bouger. Ouais. Ah oui, bah du coup, direction laboratoire. Oui, bon, je vais te calmer parce que toi tu fais pas grand chose en attendant. Hein ? Agrippédé. Comme j'aime bien t'appeler. Vérifie toujours qu'il n'y a pas un petit enculé qui rôde autour. Le snot épuré. Hop là. On allume. Ah, je vous dis, là, je suis chaud ce soir. Là. Là, on avance. Là, on progresse. Hop là, tonique. Tonique inachevé. Hop là, clic, boum. Hmm. Ça me donne soif. Je vais boire un petit coup d'air parce que ça me donne bien soif. Là, du sang mélangé à du poison là. Hmm. Ça, ça doit être délicieux. Bon. Il n'est pas encore complété. Ah oui, bah oui, du coup je dois rassembler trois éléments dedans. La substance doit d'abord être purifiée, évidemment. C'est utile. Ah, est-ce que c'est pas avec ça? Pas dû la tourner. Là, je suis content pour une fois, je reste pas bloqué comme un con. Je dois l'écraser. C'est le jeu. Ah, bah oui. Ah putain, on aura le tonic, c'est nice. Tellement nice. Allez. Oh, une petite manivelle. Écrase-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'applaudis. Je m'applaudis moi-même. C'est beau. On a notre petit tenue. Regarde, il est où ? Ah, le gamin. Ah, le gamin. Non, personne. Personne. You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic. And then use the saw to remove my head. Quoi ? Pardon ? Pardonnez. Pardonnez. Attends, j'ai du mal à entendre. Je crois que j'ai mal entendu. Tu veux que je te décapite et que je prenne ta tête avec moi? Genre... Non mais je m'en bats les couilles. Attends. Alors sérieusement? Oh là là, mais j'ai même pas envie de le sauver ce mec. Je sais même pas qui c'est, je m'en bats les couilles. Ok, allez, 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 coupe-moi la tête. Allez, vas-y, go, go, go. Plus vite, allez, clac. Mais c'est un malade. Agrippa veut voir sa tête scier. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Oh là là. Ça la scie. Ah, je vais pas avoir ça. Ah bah merci, mettre un écran noir. Merci, quand même. Par respect. Oh là là, mais what the fuck. Vous avez déjà vu un mec comme ça? Il vous dit, allez, allez, plus vite, coupe ma tête. Allez, allez, allez. Go, go, go. La folie. Non, ce jeu est de plus en plus dingue. Vas-y, je m'en bats les couilles, moi j'avance. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a trois mecs qui me sont tombés dessus, mais je m'en bats les couilles. Père, c'était là. Il y a les trois mecs qui m'ont tombé dessus. Les trois bâtards de leur mort qui m'ont tombé dessus. Ils me sont tombés dessus d'ailleurs, c'est pas français ce que je viens de dire. C'était juste là. Putain, on approche de la fin là. Là, je le sens. Et là, les fils.
Mais je crois que j'en entends. Il y a toujours du bruit. Putain, il s'est pété le pont ici. Il y avait un pont ici avant. Et ça fait genre... Oh putain. Ah les gamins. Ils m'ont fait peur avec leur truc de merde. Ah, oula, 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 oula. Ah putain, il fait mal en plus. Oh la vache. Putain, je prends des dégâts en plus. J'avais laissé ma petite statue en or là, en plus, si vous vous souvenez. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est plus là. Oh non, je suis su. Ok, nous y voilà les amis. The end of the trip. Ah c'est dégueulasse. Allez mon gars, c'est n'importe quoi. Et mettre un par un. Oh non mais non, allez vous faire foutre là. Il manque encore un truc quoi. Un certain adhésif. J'ai pas un truc qui peut faire adhésif. Bah, le goudron, nickel. Allez, nickel. Il disparaît, c'est chouette. Alors là, il est violet, là, il devient bleu, je comprends pas. Nice. Nice, nice, nice. Elle est magnifique. On a notre petit orbe, on s'est même pas fait agresser depuis le début de l'épisode. Aïe. Ok, est-ce que vous êtes prêts à finir ce jeu, les gens? Let's go!